Ok, hop, on se retrouve par un petit épisode bonus, du moins s'il se passe des choses. Alors, spoiler, il va se passer des choses, hein, puisque je recorderai pas pour rien. Je suis juste à la suite d'un stream que je viens de terminer. Alors, attendez, hop. Ah. Chercher en urgence. Comment ça, tu viens me chercher en urgence? Je suis repéré? Non, prépare-toi, t'as 5 minutes. J'ai 5 C'est minutes. plutôt positif pour toi. Ok, bah écoute, je suis en train de descendre de la montagne, là, On se je cours. retrouve à la grange. On se retrouve à la grange, j'arrive. Ok. Donc, je vous explique, la nattante antarctique était en planque, hein, vous le savez. Donc, la journée, il montait dans la forêt, d'accord, littéralement. Il surveillait l'horizon depuis la montagne en tenue de camouflage comme il est là, ok? Et les nuits, il redescendait pour aller dormir, ok? Juste ici, dans la maison qui est juste là. J'avais donné comme seul point de rendez-vous, Johan ne sait toujours pas où je suis, d'accord? J'avais donné à Johan comme seul point de rendez-vous une grange qui se trouve en 2026 entre les deux silos, ok? Donc là, on va y aller. S'il y a une voiture ici, on va la voler, hein, bien évidemment, on n'est plus à ça près. Possiblement, il n'y a rien, il n'y aurait pas un petit VTT ou une connerie du genre? Y a pas un VTT ou une saloperie là? Non, y a rien. On bougeait pas. On va aller voler une voiture sur le bord de la route, c'est pas grave. On y va. On y va, on y va. Donc Johan ne saura jamais où je me suis planqué, hein, sauf si bien plus tard je lui dis machin. Mais là du coup, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais qu'il va se passer des choses, il m'a dit connecte-toi machin, mais je sais pas du tout ce qui va se passer en RP. Ok? Donc on va voir ce qui se passe pour Nathan Blartic. Il m'a dit c'est plutôt positif pour toi. On verra. On verra, on verra. Ok. Bon, on va voler une petite voiture, hein, les amis, du coup, pas le choix. Il faut bien débuter comme ça. J'espère que vous avez entendu Johan me parler. Donc LT2, c'est Lodbrok 2, hein, d'accord? Ça va de soi, mais bon. Ok, on va arrêter une voiture, on va aller se garer. Okay. Voilà, cette voiture-là, elle ira très bien. Bonjour madame, excusez-moi de vous faire ça, je suis désolé, mais il va falloir que vous descendiez. Bonne journée! Donc là, il faut bien comprendre que Nathan Blartic n'a pas changé de tenue depuis bah, pratiquement 4 semaines en fait. D'accord? Donc il pue la mort. Vraiment. Ça doit être un enfer, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc c'est par là. Hop. Et je fais quand même attention parce que. Pas parce qu'il m'a dit de le retrouver ici. Que c'est la fin des emmerdes. Hein. Je veux pas dire ça. Donc on fait attention. On va se garer ici. Je reste dans la voiture. On sait jamais. Ok. Donc c'est ici normalement que je dois retrouver Johan Lodbrok. Hein. C'est le seul endroit de rendez-vous qu'ils connaissent. On va se garer un petit peu derrière les plantes. Ah mais merde, il m'a dit à la grange, pas. Oui, je suis con. Il m'a dit à la grange, pas ici. Pas grave, c'est pas grave. La grange, c'est ici, les amis. C'est ici notre QG pour le moment. Pourquoi il y a autant de monde?
Oula, c'est pas bon ça. Ça pue. On va laisser la voiture ici, c'est pas grave. Dépêche. C'est quoi ce bordel? Attends, Faut que je me masque ou pas? Je te vois que t'es masqué là. on va, tu vas être changé. J'ai pas pris de douche depuis 3 semaines. Hein. Tu vas être douché. Ta cavale peut s'arrêter maintenant. Je te fais un rapide topo. Vas-y. Anto est devenu chef. C'est pas bon pour moi ça. T'es bien au courant. C'est bon pour toi. Anto te veut pas de mal. Ah. Anto te veut aucun mal. Il t'apprécie. Parce que tu lui Fais en as pas parlé? attention. Fais pas attention à ça, elle tombe au milieu de la flotte. D'accord. Je vais rien parler. Écoute, je lui ai tout simplement dit. Je lui ai fait comprendre que je te connaissais pas. Tout simplement en lui disant que pour 500K, je te donne ta localisation. Bien sûr, je t'ai prévenu avant pour que tu puisses partir en laissant des affaires. Mais ça lui a prouvé que. Enfin, elle a cru en tout cas que c'était pas moi, tu vois. C'était pas toi. Du coup, il m'a raconté. Il m'a dit, ce Nathan, j'ai rien contre lui, honnêtement. C'était plus mon ancien patron qui voulait sa peau. D'accord. Et Et je... dis-moi, comment t'as su qu'il était chef? Il me l'a dit. D'accord. On va s'arrêter à une station, je vais te le dire. Et moi, un point, s'il te plaît, sur un truc de vêtements. Continue tout droit, il va te changer l'itinéraire. Ah, dommage. Tant pis. Pas le temps. Tu sais que t'as un 4x4, hein, tu peux couper à travers les dunes. Accroche-toi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Elle va être violente celle-là. Nom de Dieu! Waouh! Merde, je suis trop Et rapide, toute cette trop. poussière de merde! Waouh! Oh putain! Oh bordel! Ça allait pas à ça là. Non, moi non plus! Original. Ça me parle ici, non? Oui. D'ailleurs, des news de Logan? Aucune. D'accord. Ok. Passé au mausolée, t'es pas là. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu mon dernier message. Ton dernier message, où? J'ai démissionné du mausolée. Je suis plus patron. Ah, mais tu travailles toujours là-bas? J'ai intermittence. Ouais. Tu vas peut-être enlever ton truc. Bouge pas. Vas-y. Je vais me changer du coup. Prendre une douche, tout ça. Je fais attention qu'il n'y ait personne en fait, les gens. On va considérer que c'est une douche, hein. Ok, quand tu fais la douche, t'as besoin de savoir ce qu'il m'a dit. Hein? Ah oui, vas-y. Quand tu te changes, t'as dit ce qu'il m'a dit. Ok, depuis le début. Ok. Ok, message de lui. Ok, je vais faire simple et court. J'ai une promotion express au rang des chefs. Je vous propose une entrevue à la maison. J'ai répondu, félicitations, cela se fait. Prouve-moi que je peux venir sans aucun risque. Il m'a dit, mon ex-patron et les trois quarts de mes anciens collaborateurs sont malheureusement morts durant une OP. Je suis donc tout seul. J'ai dit, tu penses vraiment que je vais venir seul dans ta villa? Tu connais le secret de ta maison, moi très peu. Et j'ai répondu, je donne l'endroit. Il m'a répondu, si ce Nathan est bien avec vous, vous connaissez déjà les alentours et la maison. Pardon. J'ai répondu, je le connais bien,
Je les connais bien, mais c'est pas grâce à Satan. D'ailleurs, nous l'avons retrouvé sur sa localisation, je te la vends. Il m'a dit, je suis désormais chef, j'imagine que vous ne me contactez pas pour rien. Alors mettons-nous d'accord, si je peux vous faire confiance, ces jours seront loin d'être en danger. Il m'a répondu en plus, d'après ce que j'ai compris, vous savez qui je suis et quelle est la relation avec et quelle est la relation que j'ai avec lui. Alors vous savez que si j'ai le choix, il sera indemne. J'ai répondu, je vous recontacte dans la soirée, mais sachez que vos paroles sont reçues avec plaisir et réciprocité. Il m'a dit, si je peux vous faire confiance et que c'est réciproque, on s'entendra bien, croyez-moi. Ok. Tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Ah. Une tenue un peu plus sombre. Ok. Un petit peu moins reconnaissable surtout. C'est pas que tu ressembles à la tombe l'article, mais... Tu ressembles quand même vachement à la tombe l'article. Pardon. L'habitude. Mec, c'est juste que ça fait tellement longtemps que j'ai pas porté un truc autre chose que ça, là. Tu m'étonnes. Je te jure, mec, 4 semaines bientôt que je suis là-dedans. Sans douche, juste avec du café. C'est l'horreur. Ah, tu t'es douché, là? Ouais, je me suis douché, là. Parfait. Alors, je t'attends devant. J'arrive. Faire une tenue noire, les amis. Bon, le truc de base est pas mal. Hein. Le truc de base est pas mal. T-shirt 1, tu vois un peu. Pas mal. Ça sort pas derrière, c'est bon. Merde, bras 2, bras 1, moi je vais modifier. Pourquoi les bras changent pas? Ah d'accord. Oula, c'est le bordel. Attends. Pourquoi y a plus de bras? Quoi ce bordel? Ah, on va avoir un problème là. On va avoir un problème si j'ai pas de bras. Ah d'accord, c'est ça le problème. Ah. Ok, on va mettre un truc. On va enlever le schémag sur cette tenue. Tac. On va faire ça vite. Voilà, de toute façon, j'ai pas besoin d'une tenue ultra sophistiquée. Hein. C'est vraiment juste histoire de dire. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. On l'appelait moto, ça va très bien. Ben voilà. Ah, quel bonheur quoi, putain. J'avoue que tu sens dans la merde. Eh oh. Oh ben. Pourquoi on va là-bas? C'est là-bas qu'on va donner le rendez-vous. Ah, d'accord. On connaît l'endroit, pas lui. C'est vrai. Et on va se mettre à un endroit totalement différent pour le voir arriver. Bon, qui sait que tu vas venir avec moi, là? Non. D'accord, il le sait pas, ouais, ok.
Donc on peut s'attendre à tout, quoi. T'es armé, toi? Non, je suis pas armé. Je viens de le contacter. Ok. Je fais confiance sur ce coup, de toute façon. J'étais trop absent pour te donner un avis, honnêtement. C'est quoi? On va se foutre ici. J'ai besoin de toi. Mets-toi en place pilote. Le moteur, je veux pas qu'il s'arrête, ok? Tu le fais ronronner, tu fais chauffer. Je veux que si je pars en courant et que je monte, tu traces à 160. Ça marche? Ouais. Je te fais confiance. Que Oh, tu... franchement, j'ai aucune idée de sa fiabilité. Là, Ah, ils d'accord. peuvent arriver à 15 voitures, tu vois, je ne Ouais, sais bien rien. sûr, ouais, je suis d'accord, mais et du coup, tu me préviendras quand tu voudras que je descende, c'est ça? Oui, de toute façon, si je reviens vers toi et qu'on descend normal, si tu vois que j'arrive en criant, c'est qu'il faut que tu mettes tes gaz. Ok, mais tu te rends compte qu'il y a 200 mètres, il aura largement le temps de te mettre une balle si jamais il est armé. C'est pour ça que je me fais suivre derrière un arbre, juste à descendre la petite colline. T'inquiète, Ok, et c'est sur mon coup. question, tu veux pas y aller armé au début? Enfin armé, masqué pardon au début? Sûr que Pour si. qu'il sache pas jusqu'au bout où Mais bien t'étais? sûr que Si, si. ok, bon Mais ça je va vais jamais y aller comme ça. alors. Ça Non, non, je comptais pas. Je sais pas si c'est derrière. T'inquiète. Bon, allez, fais gaffe à toi. Et d'ailleurs, attends. D'ailleurs, tu vas lui dire que tu vas aller chercher quelqu'un d'autre qui voudrait me rencontrer et du coup je descendrai masqué aussi ou... Tu descendras masqué, mais je veux pas prévenir que t'es là. Oui, bien sûr. Et on enlèvera nos masques devant lui, sûrement à la fin, je suppose. On verra. Si ça se conclut correctement. On verra. Let's go. Bon, bah, je vais mettre mon masque. Je vais mettre mon masque direct, alors comme ça sera fait. On verra bien ce qui se passe, les amis. On verra bien ce qui se passe. Ok. Ah, je pense que c'est lui, ça. Ouais, il y a de grandes chances que ce soit lui, ça. 4-4 noir. Ah, c'est lui ça, 100%. Envoyer un message à LT2. Tac.
Là, il peut m'arriver tout et n'importe quoi, les gens. Ça peut être la fin d'une cavale ou la fin d'une vie. No joke. Ça peut aller très très vite. Ça. Ah, regardez, il arrive là. C'est lui, ça. Il est garé dans le hangar. Ok. Putain. En plus, j'étais bien content de faire cette cavale. Si jamais ça doit se finir ici, cette cavale, c'était bien bien cool, honnêtement. Bon, je me suis pas connecté beaucoup, mais suffisamment pour avoir le temps de réellement jouer ma cavale, quoi. Donc ça, c'était cool. Savoir que quand je me connectais, du coup, entre les deux, parce que là, il n'y a pas eu de stream entre l'épisode bonus déjà que vous avez vu. Donc, en gros, là, c'est la première fois que je retourne un truc depuis. Je me suis déjà reconnecté pour jouer à cavale, mais voilà, quoi. Y va, c'est bon. Tu conduis? Eh ben, tu veux que je... On y va à deux? Ok. Ouais. Tu descends en premier, hein. Tu descends tout seul d'abord. Ouais, t'inquiète. Moi, je descends pas. Reste à portée de voix, mais... C'est bon. J'entends pas ce qu'ils se disent. J'entends pas ce qu'ils se disent. Il est armé ou c'est moi là? Il est putain d'armé. C'est sûr il est armé. 100%. Il est armé. Ça va aller très vite ça. Et... Je sais pas ce qu'ils se disent, c'est très stressant. J'aimerais bien savoir. Parfait. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur tes activités. Là, je l'entends Ne là. t'inquiète pas, je garde ça pour moi. Le flicat et les bijouteries, c'est bien ça. Vous êtes combien? Chef depuis combien de temps? Ok, c'est tout neuf quoi. Écoute, moi, de mon point de vue, je vais être cash avec toi. Mon organisation, ou du moins ce qui va bientôt être mis en place, ce serait dans l'idée de faire des go fast. En gros, l'entreprise, plutôt organisation du moins, travaillerait pour toi. Et ferait les trajets risqués à la place de tes équipes. Comme ça, si tu te fais choper, tu vas pas en prison ou tu perds pas ta cargaison. Par contre, si je me fais choper, je vais en prison mais tu perds ta cargaison. Tu gagnes 50% comparé à tes autres ventes. Si tu es prêt à choisir ce mode-là, une fois que ce sera mis en place, pour être contacté et puis on.
On pourra arranger quelque chose là-dessus. Tout à fait. Tu penses que tu pourras avoir des choses intéressantes pour moi? Comme quoi? Ça m'intéresse pas. Mis à part si tu les vends. Je te parle pas de moi. Dis-moi l'associé. Je te parle des autres gangs. Notre équipe. Tout ça. Est-ce que ton organisation vend? Ok. J'aurai pas de transport d'armes à faire depuis la vôtre. J'espère que ces bruits de poney, c'est pas les tiens. T'es venu seul, hein? Ouais, on t'a vu arriver. Ok. Bouge pas. Rance la voiture, tu peux venir. Range la voiture où? À l'intérieur. Écoute, mon associé il est pas armé, ok? Il va venir et il te veut autant de balles que moi, ok? C'est-à-dire absolument rien. Je t'avais déjà dit, on va être allié avec toi, pas ennemi. Ok. Anto, je te présente le Maccabée. Ici c'est Jet. Ok? C'est comme ça qu'on s'appelle maintenant. Maccabée, Jet, très bien. Ça date, Maccabée, je vous expliquerai. Maccabée, c'est notre premier surnom. Notre surnom de... Il s'en souvient, c'est excellent. Si. Ça m'était beaucoup sorti de la tête. Sur le masque. Ça m'était sorti de la tête, putain. Merci. Ça fait un style. Ouais. Écoute, qu'est-ce que tu as à me proposer actuellement? Parce que moi, je te le dis honnêtement, actuellement, mis à part mes bras, j'ai pas grand-chose à te proposer. Je t'ai déjà dit. Ah bah, on est grosso modo au même point pour l'instant. Ok. Moi. C'est quoi ce bruit? T'es venu seul, hein? On va arriver. Vu la diminution imprévue de mes rangs, j'ai pas trop le choix de devenir seul. Bah, continuez. Écoute, si on peut installer un climat de confiance comme on a actuellement, j'aimerais qu'on mette au clair un petit peu notre relation future. Parce que malheureusement, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose, mais à part discuter de ça. J'en ai bien peur. T'envisages quoi pour plus tard, pour ton entreprise, ton organisation et la mienne? Tout dépendra de ce que j'aurai dans l'avenir. Ok, qu'est-ce que tu penses avoir dans l'avenir? Ah bah alors là, je vous montre pas que j'en ai pas la moindre idée. Peut-être de la drogue. Peut-être, ou tu penses que ça va se faire? Honnêtement, pour l'instant, alors qu'il est. Je sais pas trop, j'attends d'avoir des contacts, que les gens prennent contact avec moi suite à ma nouvelle position. Tu travailles avec quelqu'un ou t'es seul? Bah, disons que pour l'instant, c'est une question plutôt compliquée. Ok. Comme j'ai dit, j'ai mes fonctions depuis une heure maintenant. Ok, on va mettre quelque chose au clair maintenant qu'on est en face à face. Histoire du Nathan, là. Écoute, je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'il n'était pas parti de notre organisation, ok? Je vois. Si tu comptes tuer un innocent, je te repêcherai pas. Mais je suis pas contre, je suis pas pour, pardon. Qu'on soit clair.
Si j'apprends que lui du mal qui lui a été fait, etc., je pense qu'on arrêtera de commercer ensemble. Je vois. Si ça te va, ça me va. Ce qui m'intéressait justement avec ce Nathan, c'était les potentielles photos qu'il avait pu prendre d'un mauvais moment, disons. Mauvais endroit, mauvais moment. Y a tout, tu peux en être sûr. Y a plus de photos. Je vois. Elles sont bientôt présentes ici. Elles sont toutes présentes. Y a pas de photocopie, y a pas d'imprimante, y a rien, on n'a rien fait, on a que celle-là avec les originales. C'est vrai. Je vois. Je ressortirai jamais les photos. Ça, il l'entend pas, hein, je Puisque ce qui m'intéresse ici, je n'ai plus rien à vouloir envers ce notamment. Parfait. Écoute, à la limite, ce que je peux te proposer, si Maccabée est d'accord. Est-ce que tu te sens en confiance, Maccabée? Ça peut aller. Ok. Alors, je vais franchir le pas en premier. T'as un couteau sur toi? Ouais. Sors-le. Pas de bêtises. On va faire un truc assez simple. Moi, je fonctionne comme ça. Tu peux le voir sur ma main. Il y a quelques entailles déjà. Si t'es d'accord, Il veut faire pour un sceller bagne notre aussi. alliance, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de papier. Ça se déchire trop facilement. Si t'es un homme d'honneur, on va faire un contrat de sang. Je vois. Je te demande pas de te couper un doigt. Tu t'entailles, je m'entaille, on serre la main. T'inquiète pas, j'ai pas de maladie. J'espère que t'en as pas non plus. Une fois qu'on aura fait ça, je pourrai être transformé avec toi et me démasquer. Et sache qu'un homme qui brise un pacte de sang, c'est rien d'autre qu'une pauvre merde pour moi. On est bon. Pour moi et Ça pour paraît toute tout à ton fait honnête. organisation. Parfait. Si tu veux pas commencer, donne-moi le couteau, je commence. Faut pas qu'il rit, parce que s'il clique sans faire exprès, il lui met un chelacé. Je vois. Pareil. Pas trop grand, mais je veux voir du sang. Parfait. À partir du moment où tu attraperas ma main, on sera alliés. Jusqu'à ce que l'un de nous deux crève. Très bien. Parfait. Il y a un bandage, fous-le sur ta main. Et je vais enlever mon masque pour te prouver que je suis totalement franc avec toi. Je te connais, il n'y a pas de raison que tu me connaisses pas. C'est comme ça que ça marche. Salut. Le fameux. Et ouais. Le Lodbrok en personne. Ah, mais dis pas que tu t'en doutais pas. Si un jour j'aurais cru te voir ici, crois-moi. Ah bon, c'est fait. Ça Watching. facilitera les choses, tu me diras. Exactement. La relation d'amitié que j'ai avec toi,
Comment dire? J'espère qu'elle solidifiera l'alliance qu'on a entre nous. Ça va toi. Parfait. Donc maintenant qu'on est de l'autre côté. Maccabée, si tu préfères enlever ton masque une prochaine fois, pas de souci. Écoute, honnêtement, ça fait le pack de sang, je me rappelle ce que c'était chez l'OTR, il n'y a pas de raison que... De toute façon, on sait très bien que s'il m'arrive un truc, tu me vengeras, donc au pire. Ça n'est pas visible. Le fameux n'était en personne, donc. Que de surprise ce soir. Ouais. Ça fait tout de même étrange de se rencontrer comme ça. Ah, c'est pas la première fois. C'est étrange. Tu m'étonnes. Écoute, nous, tout ce qu'on veut avec toi, c'est travailler avec toi, travailler pour toi. Je veux qu'on ait les mêmes relations en dehors du boulot que l'organisation. On est ok. Ça me parle, honnête. Je veux pas de chichi, on est franc entre nous, les choses qu'on a à dire, on les dit. Si c'est la merde, on prévient. T'as besoin d'aide, on t'aide. J'ai besoin d'aide, tu m'aides. Ça fonctionne comme ça. Très bien. Si tu fais tout ce que je veux et que je fais tout ce que tu veux, les piliers seront solides. Et tu seras un petit peu plus solide que les autres cugus qu'il y avait en toi. Parce que pardon, ah, mais... Ne parle pas de cette belle bande de clowns. Parce que les choses qu'on a vues, franchement, c'est les choses qui sont compliquées. Hein. Il y a des choses qui sont compliquées. Ok. C'est bon, je peux arrêter de me planquer maintenant. Effectivement, maintenant que j'ai les photos qui m'intéressaient et qu'on a une relation de confiance, plus okay. Aucune raison de se cacher. Moi, j'ai besoin de savoir quelque chose, moi. Mm-hmm. Il y avait ton groupe sur le coup pour me trouver, on est d'accord? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? De trouver, non, pas vraiment, juste une belle bande d'attardés. Mais non, il n'y avait personne d'autre. Il n'y a pas de prime sur ma tête? Il n'y a non. Pas d'affiche dans l'Arknet? Il n'y a rien? Non, rien de tout ça. Ok. Tant mieux. Ou alors, c'est des trucs dont j'ai pas été mis au courant, mais de ce que je sache, il n'y a rien de tout ça. Ok. Et puis, tous ceux qui t'avaient croisé, du moins, quand j'en ai parlé à Yon, ils ont tous été fusillés dans une opération. Ah. Okay. Donc pas de problème à t'en faire là-dessus. D'accord. Alors ça me va. Bon. Est-ce qu'on lui explique un petit peu ce qu'on fait nous, normalement, ou... Enfin ce qu'on sait faire, ce qu'on a déjà fait, ou pas? Ou il n'y a pas besoin de le savoir? Non, je pense qu'on peut lui expliquer. Hein. Bah je t'en prie. Bon, comme je te dis, c'est assez simple. Pour l'instant, on organisera, parce que c'est pas encore fait, des courses de rue. Pour faire un petit nom, tu vois, faire un petit peu trembler la ville, les amateurs de courses viendront. On mettra un cash prize, on se fera un petit peu l'argent là-dessus. On compte pas participer aux courses, mais si on doit le faire, on s'est équipé, hein, comme tu peux le voir. On a tous une voiture, que ce soit Nat, moi ou les autres. Moi, ouais, j'ai ce qu'il faut aussi, comme tu le sais. Parfait. Donc écoute, si t'entends pas de course de rue, t'hésites pas, tu te pointes. Tu peux que gagner. Et au pire des cas, tu te trapperas une bonne session de course. Je sais que t'es un amateur de bagnole. Donc c'est pas mal. Oh, ça va être compliqué pour l'instant, j'ai plus de permis, mais c'est un détail. Mais t'es venu en caisse. J'ai pas l'impression que ça te freine. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, pour où j'en suis. Ok. Je vais continuer donc avec un petit peu la réputation qu'on se fera anonymement pendant les courses de rue, parce que je compte pas donner mon blaze. On s'en servira pour se faire un petit nom, tu vois, un nom de groupe. Nom de groupe, on l'a pas encore, mais ça va pas tarder. Une fois qu'on aura ça, on se pointera chez les gangs, les organisations, les mafias, tout ça. Bref, un petit peu comme on fait avec toi actuellement, pour leur proposer nos services. Avec eux, je compte pas me démasquer. Toi, je sais que t'es quelqu'un avec qui j'ai confiance, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Je savais qu'il allait pas avoir de soucis. J'espère du moins. Et une fois qu'on aura un petit peu établi cette relation de confiance avec les autres entre organisations,
Notre but, c'est de travailler pour tout le monde, pour simplifier tout le monde. Après, c'est assez simple. Tu m'offres plus que la personne de droite, je vais venir à gauche. La personne de droite m'offre plus que toi, je vais aller à droite. C'est aussi simple que ça. On se comprend. C'est honnête. Parfait. Le business. J'aimerais savoir un point aussi. Tu comptes faire quelque chose pour former un petit peu tes recrues? Parce que je vais pas te mentir, Mathéo, je le connais depuis beaucoup plus avec toi. On est d'accord sur ce point? C'est possible, oui. Je sais pas si toi, il en a déjà parlé, mais je suis fan de moto, à tel point que j'ai été président d'un club de motards. Donc l'illégal, ça me connaît déjà, ok? C'est pour ça que ça me choquait pas que tu sois là-dedans. Mathéo, c'est clairement pas la personne la plus discrète. Ça, je pense que tu as pu le comprendre. Je le sais déjà, crois-moi. D'accord. Je sais pas si tu as récemment regardé les caméras de surveillance du Mosley, mais en pleine salle de réunion, il a sorti son couteau pour me le montrer. Ça fait environ 2 semaines que je suis au courant que vous êtes armé. Vu le loupard que c'est plus un secret pour personne maintenant. Tout à fait. Je préfère que tu sois au courant. Je pense que vis-à-vis de tes membres ou de ce qui t'en reste visiblement, il faudrait que tu fasses un point là-dessus. Et d'ailleurs, que tu recrutes assez rapidement. Ce que je cherche, c'est des types en qui j'ai confiance, avec qui je sais que je peux faire du travail propre et efficace. D'accord. Écoute, tout à l'heure tu me proposais la villa. Maintenant qu'on se connaît, qu'on a démasqué, qu'on a bien papoté, si on allait boire un bon coup pour sceller ça. Allez, on fait ça. Ok, on te suit. Eh. Hey. Très bien. En tout cas, mec, sache que. Juste, tu penses qu'on peut lui parler ou pas de l'oiseau? Tu vois ce que je veux dire? On lui parle de tout. Ah. Je fais une relation transparente. Ok, ça me va. Si t'as besoin un jour qu'on surveille quelqu'un pour toi ou autre, tu fais appel à nous deux. Nous, c'est la corneille, ok? Comme t'as pu le voir, vous aviez beau vous cacher, on a quand même pu vous trouver, ok? Alors, bon, c'est fini. Mais juste pour te dire qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Donc, si à un moment, t'as besoin de surveiller quelqu'un ou que t'as besoin d'infos, on pourra essayer de t'en trouver. Bien sûr, ce sera pas gratuit, mais ça, c'est à discuter. Mais en tout cas, on pourra, ok? Et une autre chose. Anto, c'est Anto. Johan, c'est Johan. Jet, c'est pas Johan, ok? C'est logique, dit comme ça. Okay. Pareil pour moi, d'ailleurs. Allez, on suit. Je suis Maccabé en personne. On est souvenus, hein. Putain, je me suis niqué la gorge à parler avec une voix grave. C'est ça, mec, là. Ouh. Ok, faut que je me concentre. Faut que je lui montre que je suis bon au pilotage. La radio. C'est la pire musique. Bah une radio rock, tu bouges pas. Oh yeah. Bah voilà. Ah mais je vais me planter dans un poteau avec cette musique là, ça me donne. Mais non. Prends le temps. Putain, c'est la fin de ma cavale mon gars. C'est bon ça. Pas sur moi. Hein. Sur moi, j'ai pas touché quand même. Enfin, j'ai pas touché, mais ça a fait boum. C'est la fin de ma putain de cavale, mon gars. C'est bon, ça. Ok, je négocie pour toi. Et je suis content que ça soit abouti. En vrai, merci. Pas de soucis. Je sais pas si tu me voyais, mais tu sais que tous les soirs, je traînais environ 1 heure devant chez toi. Tu m'as vu? Oui. Tu savais où j'étais planqué?
J'avais une petite idée. Vas-y, j'étais où? Secret professionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Non, pour de vrai, je savais pas où t'étais exactement, mais je traînais environ... Ça, c'est normal. Quartier près de la grange. Non. T'étais pas là? Non. Bah bref, je rodais depuis que tu m'as dit qu'il y avait un 4x4 sur vous qui traînait. Ah oui, mais il traînait, mais pas vers la grange, il traînait vers là où j'étais planqué. Ah bah super. J'ai bien perdu le temps de ma vie, c'est génial. J'étais... je peux te le dire maintenant, de toute façon. La planque est pas pour vous. J'étais au phare. J'étais au phare que la nuit. La journée, j'allais dans la montagne. D'où la tenue de camouflage. Malin. Et je surveillais l'horizon. C'est pour ça que je voyais le 4x4 faire des allers-retours. J'étais pas sûr, mais je pensais t'avoir vu la maison au phare. Ah ouais? Après, j'étais très mobile. Hein. Ouais. Non, mais c'était sur un coup de luck. J'y étais justement parce que je pensais un petit peu à tout ce qu'il y avait avec Logan et actuellement. Et j'ai cru d'avoir aperçu à la fenêtre. D'accord. Pas sur tes gardes. Cette voiture. Bon. Peut-être à lui. Ouais. Elle a qui cette voiture? Moi, c'est des gens, ils se gardent tout le temps là, ils me cassent les couilles. Ils ont cru que c'était parking à leur daron. Non, mais c'est les citoyens. Ouais, voilà. Ok, je me gare où? À côté là. En face de toi là? Ouais. Eh ben mon salaud. Ça se fait pas chier, dis donc. Ah ben attends. Hey, d'ailleurs, vu qu'on est dans une relation de transparence, je viens de dire un truc, on vous a pas espionné pour vous faire chier. Hein. Ouais. Juste. On vous a espionné parce qu'on voulait savoir qui vous étiez et pour que Jet se sente plus en confiance au Mosley. Je vois. Et question. Celle que nous on appelle la rouge, elle est là aussi? Ouais. Effectivement. D'accord. J'ai vu juste, c'est bien une de tes copines, c'est ça? C'est exact. Bah voyons, monsieur se met bien. Ah, attends. Il faut bien. T'as raison. J'ai pas vu à quoi elle ressemblait, mais... J'ai des biens à vous proposer, messieurs. Je prends, par contre, est-ce que la porte de ton bureau se ferme à clé? Démasquer sans... Malheureusement, non. Ok. Bon, écoute, je vais me démasquer. J'espère qu'on ne sera pas dérangé. De toute façon, de ce que j'ai compris depuis... La seule personne qui est encore dans mes rangs vient de me dire qu'elle était en train de se bourrer la gueule au T20. Alors bon. Qui ça? Ah bah super. Ah, Théo, je suppose. Merci bien. Hop. Je ne peux pas donner de bière à Monsieur Valarpic. Il a des poches trop pleines, voyez-vous. Ah merde, mais ça c'est les kilos de truites là, putain. Oh bordel. Ah bouge pas, attends. Hop, j'ai posé mon cajou ici, hein. T'inquiète, ça sentira pas le poisson. J'espère bien. Voilà, t'inquiète. Super. Où sont passés mes truites? Je sais pas. Ah, elles sont là-bas. Attention. Hop. Super, merci. Pour Monsieur Blarpic. Oh bordel. Ah bah putain.
Pour une fois, ça fait du bien de pas boire du jus de chaussette. Parce que putain, il était dégueu là où je suis. Hein. Je vais pas croire. Bon. Incroyable. Maintenant qu'on est chez moi, est-ce que j'ai compris, on est au même point, vous et moi. Bah ouais. On a pas grand chose pour l'instant. Pas grand chose, ouais, mais... Nous, ça s'approche doucement. Et moi aussi, doucement, enfin, je veux dire que imminemment, ça va démarrer pour nous. Ce que je propose, c'est de vous prendre dans mes rangs en attendant que ce soit vraiment fondé. Qu'on ait chacun notre truc de notre côté. Et que par la suite, on reste alliés, bien évidemment. On peut évidemment collaborer avec toi, mais on peut pas officiellement rentrer dans tes rangs, ce serait trop dangereux pour nous. On pourrait peut-être en discuter, je pense. Ouais, clairement, mais... Dangereux, sous quel sens? Dangereux par rapport à ce qu'on est en train de monter à côté, pour les GoFast. Tu pourrais nous laisser 2 secondes, Anto? Ça te dérange pas? Y'a pas de soucis. J'aimerais discuter un peu avec... Vas-y, pousse mon kilo de truite. Écoute, je pensais à un truc. Je comprends que tu veux pas qu'on s'affiche publiquement, entre guillemets, pour pas s'attirer des foudres. Ce que je te propose, toi, de ton côté, c'est ton choix. De ton côté, tu acceptes pas sa proposition. Moi, je pense accepter pour 2 choses. Je pense accepter car je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur nous, sur les autres, ou sur Anto. Parce que comme Anto me l'a dit tout à l'heure, il connaît les autres groupes, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ça pourrait me permettre de les rencontrer, qu'ils me connaissent en fait, tu vois. Par la suite, établir une relation de confiance grâce à la relation qu'on a déjà établie ici. Étape 2, faire un contact pour les armements. Parce qu'il est armé, notre idiot. Donc ça pourrait être encore plus utile. Et puis, étape 3, je sais pas si tu connais ce proverbe, mais garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Mmh. Anto, c'est mon ami. Et sa famille, c'est pas mes amis. Mmh. Tu comprends? Ouais, je comprends, mais si jamais... Ça veut dire que du coup, tu vas quitter le rang une fois qu'on aura monté ce qu'on doit monter, du coup. Pour pas risquer ton... Ok. Ce serait totalement provisoire. Juste, par contre... Oublie pas ton masque, quoi. Parce que... Ton visage à découvert, c'est pas compatible avec ce qu'on veut faire. Pas, je ferai en sorte de pas me montrer. Tu me connais, alors ça me va. Parfait. Moi, je vais pas accepter pour justement te tenir au courant avec ce qui va se passer avec Logan. Du coup, tout à fait, comme ça, je fais la liaison. Ok, alors, je vais te rentrer le pauvre quand même. Attends, je vais reprendre mon kilo de truite. Putain, mais je sais pas où il est. Ah, bah, il est là. Ok, c'est bon. Je suis en train de discuter, j'ai fait un tour à la cave, tu vois ce que j'ai trouvé? Trouvé quoi, du pinard? Trouvé ça? Oh. C'est pas du pinard ça. Non, c'est pas pinard, du pinard ça. C'est... Ah si, c'est un pinard de, de 20 ans d'âge. Hein, bref. Bon, du coup, on a réfléchi. J'accepte et il refuse. Je vois. Mais c'est sans animosité, hein, c'est qu'on a raison, ouais, voilà. Mais il va t'expliquer. Ouais. En gros, ouais, plutôt se remettre autour d'un bureau. Tout à fait. Mais c'est assez simple. Moi, actuellement, je préfère venir provisoirement, je précise, dans ton groupe, jusqu'à que mon groupe se forme. Tu comprends ça? Donc ce serait qu'à une durée déterminée que je serai dans ton groupe. Sauf si je ne sais quoi pour X raison, mon projet s'annule. Dans ces cas-là, je verrai, on en reparlera. On reparlera un moment venu de ça. Si ça arrive.
De son côté, Nathan va s'occuper de faire avancer le projet avec nos collaborateurs. Pendant que moi, je vais t'aider à te faire un nom, un rang, un statut, une puissance. Je vais t'aider à rebâtir un petit peu tout ce qui s'est écroulé, ok? J'accepte. Qui fera que quand moi je partirai, tu seras déjà quelqu'un. Et tu seras quelqu'un pour toi, à ton nom. Moi, je serai un petit peu, je sais pas si t'as vu Naruto, mais et Naruto, il y a Sasuke, tu vois. Naruto, il brille. Tu le vois. Dans l'ombre. Ouais, ben j'adore les animés, ok. Quelle comparaison. Oui, bon, ouais, bon. T'arrêtes, hein. Clairement cool. Ok. Du coup, moi, je suis qui? Toi, t'es Naruto. T'es Bantou Shine. Et moi, je suis un peu genre le mec dans l'ombre qui t'a déjà arrêté bise. Tu le vois une fois sur deux dans le village, mais t'inquiète. Voilà, ce qui fait que quand je te quitterai, on aura, nous, des bases solides, et toi, tu seras déjà bien solide. Ce qui fait que tu pourras nous aider à nous consolider. Ça me paraît honnête, je prends. Parfait. Et en plus de ça, si jamais t'as réellement des bases solides, tu vas être notre principal, à condition qu'il y ait le prix, hein, toujours pareil, hein, c'est droite-gauche, comme il t'a expliqué, pas notre principal client, du coup. Forcément, ce serait logique. Du coup, t'as tout y gagné, puisqu'après, derrière, bah, t'as 50% moins de risque, et nous, on prend 50% du risque. Donc, tu perds 50%, on gagne 50%. Sur le risque, hein, attention. Ce serait pas mal. J'ai compris dans les grandes lignes. Pas très fan des maths, toi. On va dire que j'ai une calculatrice. D'accord. Je vois. On se comprend bien là-dessus. Okay. Bon, du coup. Ça me fait plaisir. Je te laisse te rapprocher quand même. Matrix. A. B. Attends. Je sais pas si tu vois ce que je vois, mais j'ai un sacré nombre de contrats potentiels. Ouais, sur ton ordi. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je vois, mais là. Ouais, je vois. Alors, pour information, je m'appelle Johan Lottebrock. Avec un K à la fin. Ah. C'est bon? Ouais, j'ai reçu un mail. Bien fait. T'as une hotline, t'as quoi? Tout automatisé. Ok. Le baraque, elle est à toi, du coup. Bah, maintenant, oui. Eh ben. Ok. Qu'est-ce que tu vois sur ta petite dark card? Le bras droit. C'est parfait. Ok. C'est la place que tu occuperas donc pendant que tu seras ici. Parfait. Qu'en penses-tu? Ah, ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait. Ok. Écoute. Je pense que du coup je vais rester ici. Je sais pas si t'as une tenue, je sais pas si t'as un code spécial, je sais pas si. Bref. Il va falloir que je me documente. Pour le moment, non, tout est à refaire. Bah, on pourrait peut-être déjà commencer par ça. On pourrait. Ouais, c'est parfait. Bon, bah, moi, sur ce, bien content d'être libre, je vais aller voir où en est notre collaborateur du coup. Ok. Tu veux peut-être que je te dépose? Je sais pas, t'as pas un remorqueur dans le coin? Non, j'ai pas ça sous le coude. Alors, Igor, dépose-moi un garage. Ah ouais, ça marche. Anto, ravi que tu me laisses vivre. T'es tout de même normal. Par contre, une chose soit dite, je sais pas ce que tu comptes faire pendant les opérations, je sais pas si t'es masqué à visage découvert, mais moi je serai masqué. Ça va toi? Je compte pas te contredire pendant tes actions. Mon but, c'est pas de me faire couler à la première opération. Parfait. D'ailleurs, qu'une chose soit claire, je suis là pour te faire progresser, donc je soutiendrai toutes tes décisions. Si elles me plaisent pas, je te le dirai pas devant tous les membres.
Ok. Je vois. Mon rôle, ça va être de faire en sorte que les gens aient confiance en toi. Moi, bon, avant de sortir, je vais peut-être aller poser ma bouteille de pinard. Ouais, c'est pas con. Tiens, bah regarde. Engage de bonne volonté. T'auras de quoi te défendre. Je vais revenir, je vais poser mes bouteilles. On va faire un café avec ça quand même. Ça commence bien comme j'aime. Batman. Oh yeah. Allez ma grande, tu veux rouler un peu fort, ça va faire longtemps que tu sortiras plus après ça. Là, tu veux que je te montre un truc? Faudrait pas tarder honnêtement, t'inquiète. C'est quoi ça? Sors. Tu vas arriver. Oui, j'ai vu dans le rétro, mais what? Pourquoi ça fait ça? Je fais des rupteurs. Ça sert à quoi? Faire vol. D'accord. D'ailleurs, toutefois, la voiture avec laquelle on est rentré la dernière fois. J'ai foutu un peu d'essence. J'avais pas de briquet. Oh non. Du coup. Franchement. Elle a pété. Comme jamais. Bon. Bah écoute, à bientôt. Eh ben, je suis ton bras droit, mais tu veux que je t'aide à monter dans la voiture? Ben, du coup, j'ai la mienne, mais si on a des choses à faire, bouger à droite à gauche, pour regarder les nouveaux uniformes ou quoi. Mais il faut bien que je te suive. Je te pose note, je te suis. Ouais, y'a pas de soucis, on va aller dans une boutique de vêtements un peu reculée. Ça marche, je passerai dans un parking avant. Y'a pas de soucis. Bah, je vous laisse et puis on se retrouve. On va une passe. Ouais, je vois ça comme ça. Oui, y'a pas de soucis. Contacte-moi sur mon numéro, pas sur Jet. Ok. Jet, c'est pour le marchandage. Ah bah. Tu crois quoi? Pas fait pour autre chose, hein. J'espère que ça t'a pas dérangé que je t'appelle Macabé, mais. Non. T'inquiète, ça m'était sorti de la tête ce nom. Première opération de surveillance. Ça m'est revenu dès que tu l'as évoqué. Ah, tu te souviens de cette chibourette vite teintée là qu'on avait pour faire ça? Putain. Bien sûr que je pense. Trouillé et tout là, putain, quel enfer. Ah bah c'était un vécu de preuve urbain. Hein. Ouais. Eh, n'empêche, on s'est quand même gavé pour les trouver, ces salauds. Ouais. On peut pas se mentir. Comment il s'appelait ce connard? De quoi? Comment il s'appelait ce connard déjà? Ah, non, mais moi je te parlais de ces salauds, eux là, les prophéties. Oh. Je te parlais d'eux, on s'est quand même gavé pour les trouver. Mais comment il s'appelait l'autre? Je sais plus. Je sais qu'il avait quitté la ville parce qu'il était en fédé. PD forcé, si tu vois ce que je veux dire, si tu te souviens. Je me souviens. Merci. Merci en tout cas. Écoute, je vais passer au Mosley, je vais voir si Logan est là, ok? Et puis, je viens de voir ton message sur l'autre carte SIM. C'est réglé tes problèmes avec Logan ou il y a vraiment tension là? Non, c'est réglé. Ok. De mon point de vue, du moins. Bon, et lui, tu lui as reparlé depuis ou pas? Ouais. Et ça va ou? Ah, on avait le même parking apparemment. J'en sais rien, on verra bien. D'accord, bon, je vais lui en parler de toute façon si jamais. Bon. On se contacte, puis voilà. Voilà. En tout cas, après, merci encore. Ouais. Après, moi je t'ai dit, moi j'ai aucune aide envers Logan. Je sais, mais. Ça m'enlève les peines du pied qui reprennent le Mosley. Oui, je sais, mais c'est juste pour être sûr que genre, ça part pas en couille à la première opération qu'on montera, quoi. Tu sais très bien comment ça se finit les tensions dans un groupe, quoi. Tout à fait. Bon, allez, rentre bien. Allez, à plus. Ouais, bah, je voulais partir avec toi en fait. Allez, les amis, on va aller voir. Du coup. Allez, on va au Mosley les amis, on va voir s'il y a Logan. S'il y a Logan, on lui parle. S'il n'y a pas Logan, on se laissera là pour cet épisode bonus. Let's go. Putain, on est libre quoi.
Oula, le serveur qui a du mal un petit peu à charger là, tout va bien. Ouais, le serveur qui galère un peu, mais c'est pas grave. Ok. C'est permis. Ok, il est pas là. Bon, attendez, on va rédiger deux mails RP du coup, les amis. Tac. On va rédiger deux mails RP, bougez pas. Alors, hop, on va se mettre ici. Attendez, voilà. On va se mettre là. On va chercher du coup Logan Play slash RP. Tac. Tac, 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 tac. On va lui envoyer. Voilà, on va lui envoyer ça. Ok. Point retour. Salut mon gars. Je suis de retour en ville. Mon voyage en Écosse s'est bien déroulé. Je rentre demain soir. Famille va bien. Ça ne repartirait pas de si. Oh, si jamais ça se passe bien. À bientôt. On attend. PS. S. Au tard pour la fête de vos 1 an. Tac, on va envoyer ça et on va envoyer un message à Logan. On va lui envoyer slash RP. Tac, voilà. Donc je vous laisse lire hein, ce que je lui avais envoyé pour le message crypté, lui faire comprendre que j'étais en cavale. Hello. Savais-tu que lorsque le corbeau aux yeux noirs devait se planquer, il devait faire semblant d'être alité? C'est alors qu'entre deux jeux, son ami, avec sa barbe gris, dans l'inquiétude la plus totale, se demanda ce qui le rendit pâle. Ne voulant l'inquiéter, le corbeau ne révéla rien, se mit en marche sur la route de son destin. Alors, quand le danger menace, cachez-vous des vieux rapaces. Pour plus de détails, l'homme aux cheveux bruns demanda son chemin, à l'homme barbu son chemin. Pour mieux comprendre la piste du corbeau malin, qui au loin ne croise plus, sur la ligne d'horizon de ces vieux, de ces deux hommes à l'abandon. Voilà. Donc ça c'est le poème que je lui ai envoyé pour lui faire comprendre que j'étais en cavale. Donc l'homme barbu, bah, c'est évidemment Johan. L'homme aux cheveux bruns, bah, c'est Logan. Et le corbeau, c'est moi. Donc slash RP. Merde, mais non, je ne vais pas lui envoyer ça. Con. Donc, slash RP. Voilà, on va lui envoyer de Nathan.l'article. @discord.gg tac 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 objet salut j'ai fini de courir mon marathon immobile. Point. J'arrête de jouer à cache-cache. Nul.
Johan et moi avons réglé le problème. Je vais pouvoir aider avec lui à finir de tout mettre en place. On essaye de se voir rapidement, mon gars. À bientôt. On attend l'article. Voilà. Ça c'est fait. Et bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode bonus vous a plu. On se retrouvera du coup probablement soit pour un autre épisode bonus si j'ai pas le temps de faire du GTA en stream, soit pour autre chose, on verra bien. Et puis soit pour un autre stream qui sortira juste après cet épisode bonus. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur Twitch, comme quand vous verrez le pseudo qui s'affichera juste à l'outro. Ciao, bye bye, et merci encore.